ce premier tour. Vous voyez les PS et DLR qui sont poussés à la marginalisation. C'est bien un nouveau paysage politique qui est en train d'émerger. Et tous les petits candidats ont été laminés en fin de campagne. C'est catastrophique. On se retrouve encore avec un second tour Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et on doit vraiment s'inquiéter du débat qu'il va y avoir là prochainement. Et je suis tellement déçu, dégoûté. Et on ne va pas parler de justice sociale, écologie. Sera bien évidemment au fil de la soirée. Du côté de Yannick Jadot ce soir, Yannick Jadot, il a obtenu. On retrouve Valérie Pécresse avec 5%. Les Républicains sont présents une nouvelle fois. Oui, on pourrait dire qu'une troisième place, ça ne sert à rien, mais ici on fait contre mauvaise fortune bon cœur, car le score. Je voterai pas pour Marine Le Pen, ça c'est sûr. On a vraiment. Derrière cette après, en fait, Éric Zemmour, je sais pas, des mesures à gauche, je vais peut-être voter blanc, enfin, voter pour un candidat qui veut détruire les services publics, détruire l'école, tout privatiser, mépriser les Français, est-ce que c'est bien aussi, enfin, je sais pas, je crois pas. Je suis très inquiète pour ce qui va se passer pendant 5 ans. Je suis très très inquiète. Je vais mettre un enfant au monde bientôt et je suis assez triste de devoir le mettre dans cette ambiance-là. J'aurais préféré qu'on le mette dans un endroit où ce soit les valeurs de solidarité, de fraternité, d'humanité. On va se battre pour que ce soit Emmanuel Macron, Marine Le Pen, il n'ait pas une majorité à l'Assemblée nationale dans la suite, au moins pour qu'il y ait un contre-pouvoir, si on peut au moins essayer d'avoir ce petit espoir, ça pourrait être bien. Mais elle est là.